Tu veux parler? Ouais, je veux bien dire quelque chose. Ok. Je t'avais appelé la dernière fois pour vérifier avec toi un SMS que j'avais écrit pendant un groupe et ça concernait ma relation avec mon père. Et du coup, tu m'avais dit que c'était bien d'en faire profiter tout le monde parce que ça pouvait être. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, reprends depuis le début. Moi, toute mon enfance, j'ai été traumatisée par mon père qui était très dur et très violent avec moi. Il était. C'était beaucoup de harcèlement moral et tout ça. Enfin, moi, c'était un peu un dictateur. J'avais le droit de rien faire. J'avais même pas le droit de faire le sport que je voulais. Enfin, bref, voilà. Et ils ont divorcé très tard avec mes parents. Ma mère est enfin partie parce qu'il a failli la tuer deux fois. Et moi, quand ils ont divorcé, un jour, je l'avais au téléphone. Et en fait, il m'avait fait croire qu'il allait venir pour signer. Pour que j'ai un appartement. Et en fait, le jour de la signature, il n'est pas venu. Et du coup, moi, dans la foulée, je lui avais dit que je voulais plus jamais lui parler. Et c'est la dernière chose que je lui ai dite, c'était il y a 8 ans. Et aujourd'hui, avec le groupe, j'ai compris que ben, en fait, c'était pas de sa faute. Il est très certainement paranoïaque, pathologique. Enfin, en tout cas, il est malade mental, quoi. C'est clair et net. Et c'était pas. Enfin, et la situation, elle est trop triste. Et je veux. Il habite à Neuilly aujourd'hui, donc pas très loin de moi qui suis à Paris. Et du coup, je voudrais lui renvoyer un message, même si je suis terrorisée à l'idée de le voir. Je me dis au moins, il y en a un des deux qui fait en sorte que la vie, elle soit pas trop horrible, quoi. Et pour être très 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 honnête, je le fais aussi pour moi, surtout. Parce que ça me demande du courage et que je me dis que allez, faut le faire, quoi. Et du coup, quand j'en avais parlé en groupe, c'était il y a plusieurs mois maintenant, on avait rédigé un message assez léger. C'était en SMS. Et à l'époque, je ne savais pas, mais mon frère me l'a dit parce que c'est lui qui le contacte. En fait, quand on l'appelle, il raccroche direct. Et quand on envoie des SMS, il répond pas. Et il fait ça avec tout le monde, dans toute la famille. Et moi, je suis la seule qui n'ai jamais essayé de le contacter en 8 ans. Et du coup, on avait écrit « Bonjour papa, ça fait presque 8 ans qu'on ne s'est pas vu. Peut-être qu'il serait temps qu'on aille boire un café. En tout cas, ça me ferait plaisir si tu acceptes. Et si tu n'as pas envie, ce sera pour plus tard. Je t'embrasse, Andrea. » Et voilà, je voulais juste être sûre qu'aujourd'hui, comme moi, j'ai beaucoup changé et tout ça, que c'était toujours le... À votre avis, à tous, si c'était toujours le bon message à envoyer, quoi. Voilà. Ah oui, tu l'avais pas envoyé? Non, je ne l'avais pas envoyé parce que je n'avais pas encore fait toute la démarche pour récupérer son numéro et tout. Ah, ok. J'attendais d'être prête, en fait. Et là, ça y est, je suis prête à l'envoyer. Ok. C'est très beau ce que tu fais, Andrea. Ouais. C'est très beau et je trouve que c'est élégant, c'est classe, c'est généreux, c'est comme ça que la vie devrait être. Et c'est comme ça qu'on devrait être tous les uns avec les autres. Tendre la main. On devrait ne pas juger. Après, je dis ça maintenant, je ne l'ai pas vu depuis 8 ans, aussi bien quand je vais le voir en vrai, il va être horrible si Oui. déjà il accepte. Et Oui. je déciderai de plus jamais le voir parce que c'est trop insupportable, quoi. Déjà rien que des Oui, fois enfin, j'ai dit. tu décideras de. Tu lui diras avant. Tu lui diras, il faudra être honnête avec lui. Il faudra être Ah ouais. aussi gentil et honnête que tu l'es maintenant. Et dire, papa, merci d'avoir accepté. C'était ma demande, tu n'étais pas obligé. Mais bon, je m'aperçois que c'est pas facile d'être avec toi, que tu es souvent dans l'opposition, que tu es souvent dans la critique. Alors, bon, je t'aimerais toujours parce que tu es mon père, mais c'est vrai que c'est mieux qu'on ne se fréquente pas trop. Tu vois, quelque chose d'assez doux comme ça. D'accord. Ok, je saisis le ton. Ok, bon ben, eh ben je vais l'envoyer. Je l'enverrai après le groupe. Après, et s'il répondait pendant? Ouais. Je pense pas qu'il réponde, hein, parce qu'il Jamais. me. Ouais, on sait jamais. Les Bon, allez, miracles j'envoie. existent.
Ok, bah je l'envoie. Bah, je vais disparaître un petit moment le temps que j'envoie mon SMS. Bravo. Okay.